Bonjour, bonjour. Et maintenant, je vais passer en cuisine. Je vais surtout me servir de mon four. J'ai un vieux four qui est pas mal abîmé. Il manque une vitre. Donc, du coup, je m'en sers le moins possible. Mais quand je m'en sers, j'essaye de faire le plus de choses. Je vais donc faire une tarte aux pommes avec des pommes et deux compotes que j'ai au frigo avec la pâte feuilletée. Je vais faire un flan pâtissier avec cette préparation-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Je me sers toujours de celle-ci. Je me casse pas le tronc à faire une crème pâtissière moi-même, même si clairement je pourrais, mais c'est bien commode. Je vais mettre dans le flan, je mettrai du cocktail de fruits. Ça, mon mari, il adore ça, les flans comme ça. Et je vais aussi faire une quiche au lard avec du fromage. J'ai les deux concombres ici. Après, je vais préparer des petites crudités. Mais voilà, je vais déjà préparer tout ça. Alors, par contre, j'ai presque plus de lait. Et j'ai complètement oublié d'en acheter. J'y ai pensé, sauf que je suis passée à autre chose en course et du coup j'ai oublié le lait. Mais c'est pas grave, je vais faire sans. Pour le flan pâtissier, je ferai moitié lait, moitié eau. Et on verra bien. Pour peler mes pommes, j'ai cet appareil-là. C'est un appareil qu'on avait. Ah mais c'est. La marque, c'est Mallard Ferrer. Vous voyez, je pensais que c'était Matfer, mais c'est Mallard Ferrer. Bon, c'est le pelle-pomme qu'on avait nous à la boulangerie. Donc c'est vraiment un truc bien costaud. C'est super pratique, ça fait vraiment des jolies pommes. Et donc moi je vais peler la pomme, ça va couper en même temps avec ce que vous voyez là ici. Et ensuite je coupe la pomme en deux, je la mets directement dans la pâte, donc ça fait une autre présentation, très jolie aussi. Ça cuit forcément un petit peu plus longtemps parce qu'il y a plus de pommes, mais c'est vraiment très bien comme ça. Donc un pelle-pomme, bon celui-là il a coûté cher, mais vous pouvez trouver un pelle-pomme à 20 euros qui fera l'affaire, même si peut-être ça tiendra pas aussi longtemps parce que des pelle-pommes à 20 euros, j'en ai déjà eu et ça n'avait pas tenu aussi longtemps. Voilà. Mais après, vous faites avec le budget que vous avez et moi, c'est parce que, enfin, je l'ai récupéré en fait. Voilà. Alors on est bien d'accord que si j'avais fait la pâte moi-même et si j'avais fait la compote moi-même, le résultat n'aurait été que meilleur. Mais hélas, j'ai pas le temps de tout faire là. Donc du coup, voilà, je me libère du temps aussi. Je ne me prends pas la tête avec ça. Je me laisse le droit de ne pas avoir le temps ou aussi de ne pas avoir envie. Donc finalement pour le lait, eh bien j'avais 450 ml de lait, donc j'ai complété avec de l'eau. On verra bien. J'ai mis un petit peu plus de sucre que j'ai l'habitude d'en mettre dans mon flan. Écoutez, on verra bien. Je pense que ce sera bon quand même. Donc là, je suis en train de faire chauffer le lait et ici j'ai fait la préparation. Donc je fais ce qui est noté au dos Et je vais attendre que ça commence à lever un petit peu. Et je vais mettre dedans, je vais bien mélanger. Une fois que c'est épaissi, je mettrai dans le moule avec la pâte.
maintenant, je vais préparer la quiche, mais j'ai que deux tourtières. Donc, du coup, une fois que ma tarte aux pommes était cuite, j'ai mis la tarte aux pommes sur une assiette. Et voilà, je vais mettre la pâte ici. Juste faire attention de ne pas me brûler. Voilà, et je vais mettre des lardons et l'appareil à quiche, hein, comme d'habitude. Alors, c'est très souvent qu'on me demande pourquoi est-ce que je ne fais pas revenir mes lardons avant. Ben, en fait, j'ai toujours mis les lardons crus et ils cuisent au four dans la pâte. Ça ne rend pas plus de jus que ça. Moi, si je ne voulais pas manger de gras, je ne mettrais pas des lardons, en fait. Donc, voilà, le gras des lardons ne me dérange pas. Oh, mais ça fait peut-être un peu beaucoup, là. Hein. Oh, ça va faire beaucoup. Bon, eh bien, tant pis. Ce sera bien comme ça. Ce sera riche en lardons. Maintenant, je vais faire un gâteau à la poire parce que j'ai de belles poires. Il y en a quelques-unes qui s'abîment un peu, mais j'ai de belles poires que ma voisine m'a offert. Et donc, je vais faire un gâteau aux poires. 3 œufs, 100 g de sucre. Je vais mélanger un petit peu. Ensuite, 150 g de farine. Et ce sera aussi 150 g de beurre que je vais mettre à fondre doucement au micro-ondes pour qu'il ne soit pas trop chaud, pour ne pas abîmer la préparation. J'ai mis également un petit peu de bicarbonate de soude en guise de levure, sinon un demi-sachet de levure chimique. Voilà, donc je vais mettre ça dans le moule. Et voilà déjà pour ce qui a cuit au four, on a la tarte aux pommes ici, la quiche au lard et en fait je l'ai mis au four et je me suis rendu compte que je n'avais pas mis de fromage dessus et il me restait de la raclette, du coup j'en ai mis dessus. Ici on a le gâteau aux poires, alors j'avais fait pour que ça fasse un caramel mais sans doute que ça n'a pas assez cuit, mais de toute façon mon four cuit très très mal donc voilà c'est pas grave, mais franchement ils sont trop bons, j'ai trop hâte de le goûter. Et ici on a le flan. Non mais le gâteau il est exceptionnel, c'est trop bon, c'est gras, c'est sucré, c'est juste exceptionnel, puis il est encore tout tiède, limite même brûlant en fait, mais oh là là, c'est trop trop bon, regardez ça. Bon, j'arrête parce que je vais manger tout le gâteau, il est trop, il est tiède comme ça, c'est franchement il est trop trop bon. Il est trop trop bon. J'arrête. Je le regarde plus.